et nous a parlé de formation gouvernement. Tu as téléphoné avec elle? Nous avons téléphoné avec elle. Nous a parlé de formation gouvernement, de monde m'a rencontré et de même au-delà. Donc, dans mi-temps, dans la nuit, il y a un monde qui relève. Qui relève moi, qui dit moi, et c'était un journaliste, qui dit moi, Gombaray qui a passé, qui est président, USGPN a attaqué président. Il dit USGPN, plaisanterie. Après ça, je viens d'apprendre que c'était dit. Et Port-au-Prince en son plein main. Depuis, on nous tous, tout le monde entendait. Et je viens d'apprendre que le président a mouru. Avant que le mourir, enfin que m'apprenne le mourir, ministre des Affaires étrangères, là, t'es relim. Ou le dit, est-ce que je parle à président? Il me dit, je parle avec la 11. Il m'a dit, est-ce que je compte ça qui a passé? Il me dit, je t'en dis, oui, mais. Et il dit, moi, tout, que chef de la police, pour le relim. Que chef de la police, t'es passé la caille, il a monté caille président. Bon, je n'ai pas besoin d'insister sur l'épisode ça. Parce que bon, c'est son passé, et son passé qui est douloureux, douloureux pour moi. Moi, c'est pour un pile monde tout. Toujours est-il que moi, m'apprendre les mourir, que comprendre que c'est un coup qui t'est visé tout le monde qui est en haut dans l'État, qui est obligé de me prendre le maquis, prendre des mesures de précaution. Ou jeter ou pas qu'on est. Bonjour, par contre, qui m'a fait qui bagaille? Je ne parle pas là, ça. Oui, je ne parle pas avant. Je dis oui, ou pas là. Voilà. Mais nous passons comme ça. Ok. Et je dis, une bagaille que dans le cap ça, que nous vivons, nous vivons avec des hommes qui sont des hommes d'État quand même dans ce pays. Et je suis des deux. Moi, c'est Claude Joseph a fait preuve de beaucoup de leadership dans ce pays. Claude Joseph. Moi, c'est qu'il a fait preuve de homme d'État. Moi, c'est dans la manière dont nous finis crise là, monter cela. Moi, c'est un monde qui a cru Joseph Lambert. Joe Lambert. Avec, que me relais, que me parlais avec elle le matin. Pour moi, les présidents au Sénat, qui même s'il dysfonctionnel, il est le président du Sénat, que me parlais avec elle, que me fait des marches pour le rentrer, parce qu'il part en Haïti. Il me fait des marches pour le rentrer en Haïti. Et il lui montrait beaucoup de hauteur, beaucoup d'abnégation. Son nez qui mettait payant au devant de propre intérêt par lui. Qui fait que nous arrivons dans une solution de crise, Jean-Noël est là. Maintenant, qui Jean ou pral mener, ou pral prendre pouvoir, mener négociation avec l'équipe Jovenel là, qui en difficulté et une nouvelle équipe que tu as cherché, joindre des partenaires non, au niveau parti politique de l'opposition pour capable monter au gouvernement? Mission de gain et mission de gain, c'est rassembler le peuple haïtien, rassembler le monde de toute idéologie. Vagabond, quand vous êtes homme de bien, grand nègre, quand vous êtes pauvre, pour que nous puissions reconstruire le pays, pour que nous puissions sortir dans la salle. Premier monde, nous discutons avec elle, d'ailleurs, première fois, premier monde, groupe monde que nous discutons avec eux, dans les fins de nos mêmes premiers ministres, c'est des groupes qui étaient autour du président Jovenel. Le mardi matin, le président mourut dans la nuit du mardi à mercredi, mardi matin, nous avons déjeuné avec des leader qui était autour de Jovenel et que le président a dit pour ouais moins parce que c'est moi qui pral bail poste ministre donc c'est avec moi pour négocier. Mais c'est pas que yo dans la journée de mardi et c'est une bail m'a parlé avec le président Jovenel, il était voulu que il y ait des figures de l'opposition qui fait pas clair qui favorise le gouvernement. Non seulement ça, il était dit messieurs qui des monde qui était autour de yo de Lio pas étonné nous ouais dans primature bonne monde Que nous, président, pas étonné nous voyons dans primature. Donc, nous avons pour mission tout. Nous réunis, moun sa yo te rele opposition à Jovenel. Moun qui nan PHTK, moun qui nan Lavalas, moun qui nan Dirpod, enfin, tout moun qui haïtien. Et qui voulait sortir dans la crise côté noyel. C'est ça m'a fait. Bon, c'est m'a pas avancé trop lentement pour moi, mais c'est payant, nous obligé à avancer au rythme pays a habitué marcher et pour que nous capable arriver à un accord politique qui permette nous gouverner payant
de Kounia jusqu'à ce que gen des élus qui arrivent à la tête. Actuellement, n'a fonctionné un pays qui de façon anormale. Tout le monde qui est responsable, il n'est pas élu. Pas gain élu à la tête. Et on va passer devant le Parlement. Et pas gain Parlement pour me passer devant le malheureusement. Nous gain des sénateurs qui pas un nombre suffisant pour que qu'on des lois rôle. Pour qu'on joue rôle correctement. Mais moi, je pense que il est là, il a été élu, faut nous joindre aux gens pour quoi interférer dans affaires politiques, dans prise de décision. Gouvernement Montéa, son met en place là, en plus, on estimait que le manquait légitimité politique, c'est-à-dire manquait de représentativité des partis de l'opposition qui étaient contre Jovenel. Pour qu'il soit dans un petit temps, est-ce que les négociations étaient difficiles, notamment avec Nenel Kassi, André Michel, Yuri La Tortue, etc., et comme si famille Lavalas, pour qu'il soit pas dans un petit temps pour joindre un consensus avant. Gouvernement Fomoya n'est de plus grande ouverture, n'est plus inclusif que ça. Mais il y a un grand problème qui est dans la vie politique haïtienne. Et peut-être pas qu'en Haïti, mais qui caractérise la vie politique haïtienne, c'est méfiance. La méfiance. L'on dit mon nom, mais ça me l'a fait, il n'y a pas fin quoi net que c'est ça que vous l'avez fait. Il y a quoi un dernier coup en bas, mais on va porter contre vous. Et son bail m'observer tous les jours. Son bail m'observer pendant ma formation gouvernement, mais comme continue à observer. Si vous passez une journée, si vous passez deux jours pas parler avec un certain nombre de monde, vous pensez que vous faites d'autres alliances et vous quittez de côté. Moi, c'est le premier grand problème que nous avons gagné. Nous avons urgence à ce que nous avons un gouvernement et un gouvernement qui est capable de représenter et qui est capable de prendre des décisions pour le pays. Nous avons un gouvernement par intérim, un gouvernement provisoire qui était déjà là depuis trop longtemps. Et dans la mesure où le président mourit et un gouvernement provisoire, il était posé des problèmes. Et il était posé même des problèmes de sécurité nationale. Donc, nous allons un petit peu vite. Mais en disant que nous avons un gouvernement là, mais ce n'est pas un gouvernement qui pral ni un gouvernement autoritaire qui peut prendre des décisions sans pas inclure l'autre monde. Nous avons plusieurs formes pour nous. D'une part, impliquer le reste haïtien qui a fait politique dans la prise de décision. Pour nous impliquer le reste société civile dans la prise de décision politique. Mais aussi, nous avons besoin de. Parce que décision à prendre, c'est la décision à prendre pour le pays et qui concerne tout le monde. Et que nous devons ensemble, nous devons arrêter les gens à fonctionner pour que nous allions dans un environnement apaisé, et bien dit apaisé, vers des élections. Ok, d'accord. Maintenant, dans quel niveau est-ce que le gouvernement représentatif? Est-ce que vous avez dit nous comme un parti politique de l'opposition qui compose le gouvernement? Alors, moi, je vais dire pour une bague. Pas aucun monde parti politique qui compose le gouvernement. Je vais expliquer. Du moment que vous entrez dans le gouvernement, vous acceptez pas partisan encore. Nous choisissons un parti politique dans la société civile pour être capable que effectivement nous avons un gouvernement qui n'est pas partisan. C'est-à-dire que son gouvernement qui n'est pas doué par un parti pour ni pour Paul ni pour Pierre. Et que pendant toute période électorale, pendant toute période que là, la PC rassemblée haïtien, la PC fait que il reprend confiance dans l'État, que ne connaissait pas en l'État qui pourrait faire élection, qui apprend des décisions, qui a dépensé l'argent pour un parti, mais qui apprend un bagage pour toute collectivité, des décisions pour toute collectivité. C'est-à-dire, une fois qu'on choisit Mounio, il n'y a pas de parti politique. Il n'y a pas de parti politique, il n'y a pas de société civile, il y a même gouvernement. Il y a une obligation de solidarité. Il n'y a pas capable de prendre une décision, aller d'un côté ou l'autre. C'est vrai qu'il y a une sensibilité politique au départ. Et sensibilité politique là, c'est pour assurer que l'État est impartial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de parti pris, il n'y a pas de fausse côté. Et c'est peut-être ça, moi je pense que il y a place pour l'autre observateur venir. Mais si il y a des gens qui veulent venir, ni pour faire politique pour parti, ni pour profiter de ça qu'on dit, qu'on fait, prend l'argent de l'État pour faire politique. Je pense que Mounsayo m'a découragé de venir dans le gouvernement parce que pas après très longtemps,
Parce que tout le monde qui a pris parti pour un parti, il n'y a pas de carré dans le gouvernement. Ok. Je vais aborder deux questions avant rapidement. Dans la démarche que tu as fait pour mettre le gouvernement sous pied, je suis au courant que Gérard Gilles te gagne pour le ministre et que Yuri la tortue te mandé au ministère. Il semble ni Gérard Gilles ni Yuri n'ont pas satisfait. Ça veut dire, est-ce que vous avez un problème ou ça vous demande de pas de travail ou du moins vous avez quitté un petit genre hésitant bien avant? Qui peut commencer? Gérard Gilles. Gérard Gilles, c'est élève moi. L'élève moi dans la faculté de médecine, c'est ami moi. Yuri la tortue, c'est ami. Moi, je pense que dans la négociation politique, les gens ont défendu la position politique, ils ont un genre dû en affaire. Oui. Et c'est normal. Et je comprends. C'est normal que yo wè que contribution ta kap différent de ça yo ta yo ka yo offri yo. Et c'est normal si ça yo ta vle a yo pa jwenn yo pa la. Ça veut pas dire que pour autant yo écarté. Moi je continue parler avec tous les deux. OK. J'ai des bons rapports avec tous les deux et m'a prêté zanmi yo au-delà de la politique, m'a prêté zanmi yo. Pour me faire gouvernement ça, m'te gen pile contrainte. OK. Des contraintes. De tout d'abord, première contrainte de gain, c'est que j'ai commencé à fond pour en gouvernement avec autorité président Jovenel Moïse. Elle était bon de nous entendre nous sous une certaine manière de former le gouvernement. Et même m'kembe que j'aime d'entendre moi avec pour former le gouvernement, c'est comme ça m'a fait. Nous sommes monde qui gagne en parole, m'a gagne 36 paroles, mon parole c'est comme ça m'a fait. Ça c'est première contrainte. Deuxième contrainte de gain, c'est que former by le maximum de monde possible en un gouvernement et faut le maximum de monde sentir à l'aise en un gouvernement. Et non, parce que ma bayo, il y a des monde qui pensaient que par rapport à position par yo faut ajouter plus. Il y a monde qui pensaient que pas qu'avin pour compte yo. Il y a monde qui pensaient si mbay yo ça faut zanmi en joindre on l'autre position. Donc c'est très difficile former un gouvernement. Je garde où me sorti, me passer plusieurs nuits blanches. même jusqu'à la dernière minute avant que gouvernement sorti dans moniteur, nous en négociation, me passe une journée difficile, obligé de fermer tout téléphone pour négocier, pour me arriver former gouvernement. Donc il y a monde qui pas là. Mais il y a monde qui a venu. Il a venu d'une manière ou d'une autre pour venir soutenir gouvernement. D'accord. Maintenant, PM, nous avons connu qui limite tout, limite légale. Est-ce qu'il y a des bagailles que, vu qu'on pas président, on pas qu'à faire? Vous voulez parler de moi ou de Conseil des ministres? Ou même avec Conseil des ministres, ça veut dire, qui ça nous-mêmes? Est-ce que nous avons pris toute décision que le président Jovenel est capable de prendre? À titre individuel, vous voulez dire moi-même? Moi-même, je gouverne. Non, mais l'article 139, ma gouverneur sur l'autre article. Quatre. À chercher la constitution. À chercher la représentation de l'État. OK. On l'État, c'est on l'État. On l'État, c'est pas on bagaille qu'on a exercé pouvoir par collégialité. Ça n'existe pas. Nous sommes premier ministre de plein droit. Nous sommes premier ministre qui a fonctionné dans le pays. Côté pas grand président. L'on dit de plein droit, ça veut dire de plein pouvoir également? De plein pouvoir. Et pas gain un président dans tête l'État. Donc, moi, qu'après un certain nombre de décisions, moi, baille tête, moi, un certain nombre de limites, bah, on est qui prend toute décision, un certain nombre de décisions, c'est un conseil des ministres qui prend yo. Il y a des décisions pour engager l'État que je prends pour compte moi tout. Ok. Je peux parler au nom de l'État. Voilà. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez révoqué et remplacé un directeur général? Je peux révoquer et remplacer un directeur général. Je peux déclarer la guerre. Soyez plus clair. Déclarer la guerre. C'est-à-dire que il y a des rôles que les gens qui sont en tête de l'État ont des rôles. Dans l'État, et c'est rôle pas moins. L'aime déclarer la guerre, hein, c'est gagner des décisions. Si je parle dans la communauté internationale, je parle au nom du pays. Je parle au nom de un groupe monde. Et je suis très prudent, je parle tout à l'extérieur parce que je parle au nom du pays. Très bien. Gagner un peu le monde
Captain, et qu'un pile parti politique qui t'a censé envie rejoindre pour le ministère ou bien l'équipe qui a dirigé là, dans le cadre d'un consensus plus large, mais qui souhaitait gagner un meilleur APN, ONA, OFATMA, AAN, OAVCT, etc., etc., etc. Est-ce que dans le cadre, la douane, surtout la douane, et dans le cadre consensus, on va faire, est-ce que c'est facile pour retirer un directeur général et pour faire une ouverture et pour faire un parti politique et pour dire donc avancer dans le cadre et en tête. Moi, je me dis, nous ne sommes pas venus là pour nous séparer l'État. Dans la proposition de solution de crise, je n'ai pas de séparer l'État. Moi, c'est l'État qui fait. Mm-hmm. C'est-à-dire que je viens consolider l'État, consolider l'institution. La lutte contre la corruption, c'est une bagaille qui est fondamentale que nous gagnons. Et moi, je dis publiquement, n'importe qui monde dans l'État, que ce soit le ministre ou ta même moi-même, ou que ce soit le directeur général ou un autre employé, qui a pris l'argent de l'État, qui a fait ça réglementairement, ça la loi dit pour faire avec l'argent, il a fait l'autre bail avec elle, du moment que moi-même, il y a attention par moi, Mounsa l'a révoqué, et pas uniquement révoqué, il a mené la justice. Il n'est pas question de nous séparer l'État. PM, permettez-moi de rire. Oui. On nous dit ça. Bonsoir, moi en vacances. Sûr. Oui, ça veut dire ou accepter. Parce que bon, je me dis, où est dans la douane, non? Pas grand-chose qu'on a fait. Et sous arrivé front bagaille, bon plusieurs attentats, toutes les capes de sécurité dehors, faut veiller sur ça. Des fois fou et mon dans la douane non, il y a tué même la ouvre d'elle. Comme si niveau de corruption dans le pays ça, surtout que son douane non, qui dirigé par un groupe nèg et que toute nèg politique fait ça ouvre et des élus fait ça ouvre en dans la douane non, PM et pas dit m'jou pas là non, moi besoin qu'on ait sur compte ça abdia. Les m'accepter vinn premier ministre. M'a accepté que m'ka mouri. Même la Jovenel. Et m'a dit avant que le mouri. Et m'a pas pensé que le tap mouri. Moi, c'est qu'on le, en tant que peuple, faut nous capables de changer, j'en ai fait à faire nous. Et que nous pas besoin de botte ferré vini, apprendre nous la discipline. M'a pas pensé que pendant que, courte période que ma premier ministre là, m'a pas arrivé fait. Corruption disparaître dans le pays. Oui, je vais penser ça. Je vais rêver à ce point. Je vais fou. Même pas ce niveau de corruption, il faut le baisser. La première chose, type de corruption qui doit disparaître, c'est ça, c'est la corruption apparente. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les gens qui ostensiblement apprend bien l'État pour faire l'autre bagaille, il faut ça suspendre. Et moi, je me dis, moi, le téléphone m'a ouvert. Si on a une preuve que les gens qui prend bien l'État et qui fait l'autre bagaille avec que ça lui fait, ils mettent 10 mois, ils prennent les gens. Je ne vais pas faire la chasse aux sorcières. C'est-à-dire que je ne vais pas marcher dans la rue avec un baleine à chercher qui moun kap volé l'argent de l'État. Mais tout le monde qui arrive, attention pas à moi, il a fait ça. Nous voulons baisser nos certaines disciplines, l'autre genre nous fait. Dans le premier conseil des ministres, je fais des diminutions très claires. Que gagne des bagages faut faire, faut déclarer patrimoine. Que corruption pas accepter ça, faut déclarer impôt que vous payez. Faut nous bailler tête nos disciplines en tant que peuple. Faut nous respecter tête nous. Gagne des règles pour de vie commune, faut nous respecter. C'est ça moi. OK, qui j'en parle convainc parti politique pour l'élection vu qu'en fait il y a David dit sort après les deux la méfiance et pas de confiance dans le conseil électoral pour visuer ça. Est-ce que en fait ou pas gagné dans le calendrier pour faire des changements au niveau du conseil électoral provisoire pour ramener la confiance au niveau des partis politiques par rapport à l'organisation des élections? Pour une bague, me l'ai dit, sous gardez bien un petit frisson au niveau de la classe politique et au niveau de la classe des affaires. Mon frisson. Frisson, c'est que vous commencez à croire que nous allons aller vers un gouvernement, que nous c'est un gouvernement qui n'est pas bien fausse côté. Gonti frisson. Et n'a pas d'ici
les jours qui viennent, je dis pas faire d'annonce, pas bail date, mais dans les jours qui viennent, on pourrait de façon très claire que gon un début de confiance qui commence à régner. Au niveau du conseil électoral provisoire, conseil électoral provisoire, grand pile méfiance vis-à-vis de lui. Je par contre monde qui l'a dans yo. Je rencontre yo, je fais réunion avec yo, même pas connait yo. Ça me connaît l'opinion publique lundi, yo croit que grand pile force côté non, c'est CEP qui l'a. Dans réunion me fait avec yo, yo dit me pas mandé yo non, me bat même pas les deux ans. Spontanément yo dit que yo croit que faut nous faire des élections crédibles. Yo croit dans ça. Et que si yo même yo t'a pensé que c'est yo qui obstacle là, yo disposé à aller. Oh. Moi me dit c'est moun CEP qui dit man. Okay. Pour moi ce sont des patriotes. Oui, évidemment. Bah connait yo. Ou bah connait yo tout ça. Bah connait yo, bah connait between yo. Ce sont des patriotes. Me penser que non, nous m'a cherché un accord politique et dans accord politique là, faut nous gon conclusion, faut nous gon entente sur qui gens pour CEP a cap on CEP que tout qui inspire confiance à tout le monde. Donc entendre accord politique là, il okay. Pas fait dans très longtemps parce que nous besoin ou déjà pour parler avec le secteur politique. Non, oui. Non seulement nous en pour parler, nous presse, nous pas très loin font accord. N'a pas le fond accord et dans accord ça il a dit qui gens ça habille parce que nous pressé faire élection. Est-ce que dans accord ça on prévoit à bon président de la République? Dans l'accord? Oui. Pas aucun mécanisme pour mettre pour le président de la République actuellement. On ne pas bailler tête. Ça veut dire le premier ministre dirige et actuellement il gon tête qui sautait que nous pas mettre. Le président de la République pas là. La République là nous pas mettre. Donc on ne pas perdre du temps, on aller vite mettons président de la République. Elle dit on aller vite, nous font élection, nous mettons président. Ça veut dire selon vous même pour qu'on président n'a pas l'air, c'est élection pour organiser. C'est grand gens nous gain pour nous faire. Ou qu'elle pas au courant en tant qu'a fait dans toute la rue côté net dit et Gadi Leblanc, Joseph Lambert, etc. Y a cité non tout le monde qui a vu le président. Moi me comprends, oui. Moi très tolérant. Et non seulement tolérant, mais très compréhensif. Tout me comprendre monde qui t'a appelé, bah il fait ton l'autre gens. Mais nous non pays ne pas faire n'importe qui bagaille. OK. Bon, maintenant il y a une peur bleue au niveau des élites économiques de ce pays, vu qu'en fait, selon des rumeurs et selon gens, ça a fonctionné bien avant, entre président, avec certains éléments des élites économiques, et de la bourgeoisie, etc. Il y a un peu de monde qui croit que la bourgeoisie et certains éléments avaient conspiré contre le président de la République. Conspiration, ça a fait un bon discours dans le pays à côté, élite économique un peu en pile. Et surtout, il y a des qui annonçaient des choucages, côté où on peut attaquer mon apôtre clair, mon qui a business, qui a banque du bac. Ou tandis tout, comme Premier ministre, ou a une mission pour au moins parler avec le pays et puis expliquer est-ce qu'en fait, nous arrivons dans des choucages, est-ce que nous sommes capables d'accepter que des gens qui sont dans le pays subissent des choucages par rapport à un bagage qui est dans la tête. Qui joue à aborder question ça pour ramener la confiance parce que le peuple. Hein, peuple à lui-même, c'est tonne la tonne, et nous qui est quoi, il a presque jeté au quitté pays. Donc, comment vous allez faire pour calmer et ramener à la raison tout ça qui a passé sous table politique? Moi, je me dis deux bagailles. Dans la question, on prend deux parties. Moi, pour le premier volet, la mort du président Jovenel Moïse. Je par contre, qui monde qui tue. Et pour moi, c'est très important pour me connaître qui monde qui tue, pour qui ça le mourir. Ce n'est pas le citoyen Jovenel Moïse qui est mort, c'est le président de la République qui est mort. Ça veut dire que n'importe qui monde cap moyen des dossiers d'État ou qu'a tombé son bagage et on mourit, on mort ou pas comprendre. Moi me bave les mourir, moi pas comprendre. Donc c'est peut-être ça moi m'a insisté en pile pour faut un résultat. Faut comprendre qui monde qui derrière ça, qui monde qui tire, qui monde qui recruter monde qui fait complot contre lui. Qui moun qui paye comme pour ça yo fait. C'est important de savoir. Et quelle est la raison fondamentale qui fait le mourir. Même pour moi, et c'est même pas un problème, le président Jovenel Moïse, justice pour le président Jovenel Moïse, c'est pour propre sécurité, pas moi, l'important pour nous comme ça.
Ça, c'est le premier bail, moi, je vous l'ai dit. Faut ne pas faire amalgame non plus. Mm-hmm. Nous gonfou tout, nous mettez tout le monde. Tout le monde nous bavle, ouais, nous dit c'est yo qui qui t'est tué ou qui t'est dans complot pour tuer. Faut ne pas faire ça. Mm-hmm. Faut nous, moi-même, m'kwe la justice, faut nous chercher justice pour tout le monde. Pays ça, gon économie qui pas bon. Pour moi, gens, structure économique qui pays en fait là, li pas bon. Son structure plus marchande qu'une structure industrielle. Structure, les gens économiques faire, c'est une structure qui peut aller vers le développement. Faut changer. Mm-hmm. Moun qui gagne l'argent en payant, moun qui gagne business, moun qui crée job, faut yo continuer créer job, continuer faire l'argent. Même quoi tout, faut gagne l'autre investisseur qui allait dans le développement qui vini. Mm-hmm. Faut nous élargir cercle. Faut nous produire plus l'argent. Faut nous créer richesse pour qu'on redistribuer richesse dans le pays. Donc, nous pas capables toute la journée nous en hing-hang parce que l'autre langue est discorde en plus que moi et me bavle ouel. Moi, c'est que faut nous aider nous tous ensemble. Quand vous me dit au début, faut moun qui riche, quand vous mine moun qui pauvre là, nous mettez ensemble pour nous recréer le pays. Déchoucage, c'est pas une solution. Et me garde au matin, me dab di à un moun qui a fait violence dans la rue et qui par hasard relé moi, pas d'hasard de la part de lui. Mm-hmm. C'est pas hasard que me répondre parce que numéro téléphone moi c'est numéro téléphone public et me bagain temps pour me répondre tout le monde. Et c'est peut-être samedi moun écrit parce que pour me répondre téléphone même te répondre moun. Et me dit moun non que me connaît que dans telle région dans pays c'est lui qui a fait violence. Et me dit moi-même personnellement m'a si il y a violence dans la zone, ça, l'irresponsable, parce que je connais, c'est lui. Nous avons une possibilité de parler entre nous. Nous avons une possibilité de discuter, de dialoguer. Violence, ce n'est pas une solution. Violence n'est pas nécessaire puisque nous avons parlé. Nous avons parlé pour nous prendre des décisions. Et donc, ça n'a pas été fait, c'est mettre en structure dans le pays pour que nous parler. Nous parler, ça nous fait nous mal. Qui j'ai nous t'avlé pays en reconstruit, qui j'ai nous t'avlé une relation entre nous et l'autre. Et on s'amrélé, nous t'adoué gagner après à quoi un dialogue structuré en un pays hein, qui permette que nous construire pays hein, tout ensemble. Donc déchoucage pas la donne. C'est la responsabilité de l'État. De protéger les vies et les biens. Et pendant la période que là, n'a fait tout ça qui n'a possibilité pas nous pour que l'État réponde à l'obligation. Il y a un problème fondamental qui gagne parce qu'on va parler, c'est comme si nous avions dit, et tout bas, on parle facile, et nous allons organiser l'élection, les partis parlent vini, etc. On parle à tout le monde. Mais une question fondamentale, Premier ministre. Comment est-ce que vous allez faire pour gérer les gangs? Parce que depuis la mort du président de la République, il n'a pas parlé. Il aurait été là, il n'a pas agi de manière violente. Il a plutôt parlé. C'est-à-dire, il y a Guénayo qui dit qu'il y a tant de justice et Guénayo qui dit qu'il ne peut pas le faire des ordres. Et Guénayo qui dit élection pas qu'à faire dire penser à la, il faut un résultat. Donc, les gangs représentent donc, un groupe important. Dans quel cadre ou placer Nexayo, est-ce qu'il y a moyen de parler avec eux, de négocier avec eux-mêmes pour qu'à quitter le pays, à évoluer, fonctionner pour atteindre l'objectif, monsieur le Premier ministre? Moi, je me dis que tout est facile dans le pays. La preuve, c'est que je n'ai pas dormi en pile. Son nez qui remet qu'à bonne main, mais depuis que je n'ai pas le Premier ministre, je dormi très peu. Je n'ai pas allé en pile. Moi, je suis disposé à parler avec un pile monde. Mais il y a un bail que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas séparer l'État par gang. Nous ne pouvons pas financer gang. Nous ne pouvons pas accepter que la force, le monopole de la force dans l'autre main que dans l'État. Tout le monde qui gagne des âmes, tout le monde qui a exercé la violence, il faut reconnaître que faut déposer les âmes, il faut suspendre la violence. De façon très claire, la police, de plus en plus, apprend responsabilité. Je vous dis encore, route Kafouan, la perméable, n'a qu'à circuler librement.
Et c'est... Mais avec compromis en tête avec les gars, mais c'est pas une question d'affrontement. Parce que en termes d'affrontement, nous pas les mêmes âmes avec eux, ou plus monde, parce que nous, après avoir vu depuis avant, nous pas déjà qu'à passer. Ça veut dire, est-ce que vous allez utiliser une autre stratégie pour faciliter le retour des gens de Martissan qui se posent ces questions-là, parce que absolu, qui doit faire retourner la caillou? Bandit pas plus d'âmes que l'État. Bandit pas plus que l'État. L'État qui a une faiblesse temporaire. Mais il est clair que l'État, c'est l'État. Et l'État a exercé rôle li. Tout le monde qui campe en face de l'État, il n'y a pas arrêté de camper longtemps. Tout le monde qui voulait affronter l'État, il a besoin d'une réponse proportionnelle à l'affrontement. Est-ce que vous allez demander l'aide internationale pour arriver, n'est-ce pas? Nous n'avons pas de troupes sur le terrain. Pas de troupes. Nous n'avons pas de troupes. Jusqu'à présent, même car c'est position gouvernement comme il est là, que nous n'avons pas demandé de troupes. Mais nous demandons encadrement parce que la police là, n'est pas préparé pour affronter ça là. Mm-hmm. Faut lui ajuster lui, faut gagner meilleur entraînement, faut gagner meilleur équipement pour faire face à ça là. Ou annoncer que mon va passer Martissan à l'aise. À m'annoncer que Martissan après aller à l'aise. M'annoncer tout que m'bral nan bureau régulièrement sans que yo pas obligé faire une sécurité spéciale pour mal nan bureau. On va parler de m'a parler de bicentenaire. Oui, m'bral nan bureau régulièrement. Et qui ça parle? Et moi m'gadou pas plus tard que jodi, m'té en réunion avec chef de la police, m'renouveler le samedi.